Charles III a joué les invités surprises d'un baptême. Ce dimanche 19 mars, un couple britannique ne s'attendait pas à voir le roi assister à la cérémonie en l'honneur de leur fille Alice Elizabeth Windell, âgée de 6 mois. Mais le souverain de 74 ans étant un fidèle de la messe dominicale, s'arrange pour ne jamais manquer un service. Ainsi, il s'est retrouvé dans une église des Cotswolds, sud-ouest de l'Angleterre, parmi les invités de Christopher et Rebecca, rapporte le Daily Mail. Une surprise adorable et totalement inattendue pour le couple de jeunes parents qui n'est pas près d'oublier ce moment. La petite Alice Elizabeth Windell, elle, pourra se vanter d'avoir été baptisée devant le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, contrairement à la petite fille Lilibediana de ce dernier. Invitée au baptême de la fille du prince Harry, célébré dans le plus grand secret le 3 mars dernier à Monte Quito, Californie, le roi a brillé par son absence. Supérieur à supérieur à la famille royale britannique lors de la célébration du Commonwealth Day, William, Kate, Charles et Camilla ont décliné l'invitation au baptême de Lilibet selon les informations de nos confrères. Charles III et Camilla Parker Bowles n'auraient jamais pu se rendre aux États-Unis pour un tel événement familial privé, pour des raisons de sécurité et d'affaires d'État urgentes. Le prince William et Kate Middleton auraient également été conviés, mais n'ont pas assisté au baptême de leur nièce. Selon le Daily Mail, le duc et la duchesse de Cambridge se trouvaient 2 jours plus tôt à celui de Rose, la fille de Pippa Middleton. Meghan Markle et le prince Harry étaient entourés de 20 à 30 de leurs proches, parmi lesquels Doria Ragland, la mère de la duchesse de Sussex, mais aussi Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorcaudale, les sœurs de Lady Diana, avec qui le prince Harry a gardé de bonnes relations. La présence de son oncle Charles Spencer n'a pas été confirmée. Proche de son cousin, il est possible que la princesse Eugénie ait assisté au baptême, mais rien n'a été confirmé. Enfin, le réalisateur Tyler Perry a été choisi pour être le parrain de Lilibet Diana. Crédit photo, Bakegri du SA.